chèvre biscornue. Dans ce pays, il y avait une forêt. Dans cette forêt, il y avait un chemin. Et sur le chemin, il y avait un lapin. Le lapin est pressé de rentrer chez lui. Il bâille. Ah. Il dit : Vite, mon lit, je vais aller me coucher. Je suis fatiguée. Quand il arrive à l'entrée de son terrier, il voit quelque chose qui bouge avec des yeux rouges. Il dit : Oh, on a quelqu'un ? Et voit qu'elle répond : Je suis la chèvre biscornue et j'ai des cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout à plat plat. Lapin appelle Coq, son voisin. Il dit : Coq, viens m'aider, il y a une bête dans mon terrier et je peux pas aller me coucher. Coq dit : T'inquiète pas, je vais la chasser. Cocorico, sors de là, t'es pas chez toi. Et la voix terrible répond : Je suis la chèvre biscornue et j'ai des cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout à plat plat. Sur ses entrefaites, renard pointe sa tête. Lapin dit : J'ai une bête dans mon terrier, je peux pas aller me coucher. Coq dit : Renard, roi, t'as moyen, viens nous aider. Renard, chantonne, et on va l'aider. Sors de là, je te donnerai des cacahuètes. À moi, il est tout. Je suis la chèvre biscornue. J'ai des cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout à blabla. Renard a peur. Mais a peur. Et lapin pleure. Ours, le costaud du coin, passe par là. Lapin dit : J'ai une bête dans mon terrier, je ne peux pas aller me coucher. Une grosse bête, où ça, poussez-vous. C'est dans quoi ce qu'on t'est pas sorti ? Je te transforme en spaghetti. La voix terrible répond : Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout à plat plat. Abeille passe par là. Bonjour les gars, bonjour lapin. Qu'est-ce qui va pas ? Lapin répond : Il y a une bête dans mon terrier, personne n'arrive à la chasser. Abeille dit : Je peux vous aider si vous voulez. Ours rigole, coq rigole, renard rigole. Et voilà tous les cinq à l'entrée du terrier. L'abeille prend son élan et fonce en biscornue. Elle pique les bas de biscornue. Elle pique les cornes de biscornue. Il pique la tête de biscornu. Elle pique les fesses de biscornu. On entend ouille, aïe, aïe. La chèvre et biscornu sort du terrier et disparaît dans la forêt. Lapin dit : Merci l'abeille. Tout plaisir est pour moi. Maintenant tu peux y aller te coucher. C'est plus sommeil. Entrez. Je vous invite tous à dîner. Les amis du lapin se sont bien amusés. Les lumières sont restées allumées toute la nuit. C'est ce qu'on dit. La chèvre biscornue a deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout raplapla. Tant pis pour toi, tu finiras tout raplapla. La chèvre biscornue.
à 10.